quelles sont les racines de la pandémie actuelle? Car le fait qu'un virus apparaisse ne veut pas dire qu'il y a automatiquement une épidémie, encore moins une pandémie. En fait, si l'apparition du virus a pris l'importance qu'elle a pris, s'il y a une pandémie, c'est en lien avec les trois facteurs qui sont en lien avec l'organisation de la société. Le premier point a trait au mode de développement induit par le capitalisme productiviste. On est dans une situation dans laquelle il y a eu une industrialisation à outrance, une urbanisation, une artificialisation des sols, un élevage industriel, une déforestation massive. Tout ça a entraîné une destruction des habitats animaux qui a détruit la barrière protectrice entre les êtres humains et les animaux sauvages, qui a favorisé les contacts avec la faune sauvage et donc la transmission du virus à l'homme. Le deuxième point, le deuxième facteur a trait à les conséquences de la mondialisation sous régime néolibéral, avec évidemment une accélération de la diffusion du virus due aux échanges de toutes sortes, mais aussi le fait que les délocalisations, l'internationalisation des chaînes de valeur, l'éclatement des chaînes de production dans les pays à bas salaire ont entraîné une dépendance par rapport à un certain nombre de pays, notamment en matière de fourniture de médicaments, puisqu'on sait que l'essentiel des molécules sont aujourd'hui produites par deux pays, la Chine et l'Inde, et ça a entraîné une pénurie de médicaments, bien avant d'ailleurs la crise sanitaire. La pénurie de médicaments a commencé déjà il y a plusieurs mois, on l'a vu en France dans plusieurs domaines extrêmement sensibles. Et donc cette dépendance, évidemment, s'est aggravée au moment de la crise sanitaire. Le troisième facteur, bon, il est bien connu, ce sont les politiques d'austérité qui ont mis à mal le système de santé, avec une suppression dans tous les pays, quasiment, bon, de dizaines de milliers de lits d'hôpitaux, de fermetures d'hôpitaux, de manque de matériel, manque de masques, manque de tests, etc. Bon, tout ça est maintenant bien connu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces politiques d'austérité se sont appliquées, se sont appuyées en fait, sur une conception de nouvelle de l'hôpital visant à traiter l'hôpital comme une entreprise qui doit être rentable, avec une conception non seulement comptable, mais managériale de l'hôpital et qui vise à traiter les malades comme simplement des flux entrants et des flux sortants et l'hôpital comme une entreprise qu'il faudrait rentabiliser. Donc, on a donc trois facteurs qui sont à la racine de la crise sanitaire, au-delà de l'apparition du virus. Le premier facteur, donc, c'est le mode de développement économique induit par le capitalisme productiviste. Le second facteur, c'est les conséquences de la mondialisation néolibérale. Et le troisième facteur, ce sont les politiques d'austérité.